Il était une fois en France, dans un joli village des Vosges appelé Baudricourt, un oiseau très original qui s'appelait Capeirou ou Amessipi. Il ne ressemblait à aucun autre oiseau. Il avait un grand bec, de fines pattes, un long cou, une queue en forme de pince et des plumes multicolores. Un matin de bonne heure, Capeirou ou Amessipi se promenait en ville à Nuremberg pour chercher de la nourriture. Il rencontra Cigogne. Bonjour, je m'appelle Capeirou ou Amessipi. Bonjour, je suis la cigogne. Pourrais-tu me donner tes pattes, s'il te plaît? Bien sûr que oui, je peux te donner mes pattes. Merci, Capeirou ou Amessipi. De rien, cigogne. Contente, la cigogne s'envola vers son nid au-dessus de la cheminée du garage automobile. En continuant sa recherche, Capeirou ou Amessipi vit s'approcher une hirondelle. Bonjour, je suis Capeirou ou Amessipi. Bonjour, je suis l'hirondelle. Pourrais-tu me donner ta queue, s'il te plaît? Bien sûr que oui, je peux te donner ma queue. Oh, merci. Mais de rien. Pour le remercier, l'hirondelle décida de partager son petit déjeuner avec Capeirou ou Amessipi avant de repartir. En passant dans la forêt de Ramcourt, il entendit un bruit de tambourinage. C'était un pivert très ordinaire qui voulait attirer des femelles. Bonjour, moi c'est Capeirou ou Amessipi, et toi? Bonjour, je suis le pivert. Pourrais-tu me donner tes ailes, s'il te plaît? Bien sûr que oui, je peux te donner mes ailes. Merci beaucoup. Mais de rien. Le pivert. Avec ses nouvelles ailes, puis alors s'envoler, Capeirou ou Amessipi se retrouva à nouveau seul. Il poursuivit son chemin jusqu'à un jardin où il aperçut une mésange sortie de son nichoir. Elle allait elle aussi chercher de la nourriture et quand elle vit Capeirou ou Amessipi, elle dit: Bonjour, je suis la mésange. Bonjour, je suis Capeirou ou Amessipi. Pourrais-tu me donner ton ventre, s'il te plaît? Bien entendu, je peux te donner mon ventre. Merci. Mais de rien. La mésange retourna dans son nichoir et Capeirou ou Amessipi repartit en quête de vers de terre ou de poisson. Tout à coup, il entendit un chant grave de rouge-gorge. Il se retourna, surpris d'entendre un pareil son, et vit l'oiseau perché sur un fil électrique. Bonjour, je suis le Capeirou ou Amessipi. Bonjour, je suis le rouge-gorge. Pourrais-tu me donner ta gorge, s'il te plaît? Oui, je peux te donner ma gorge. Merci, Capeirou ou Amessipi. Mais de rien, rouge-gorge. Joyeux, le rouge-gorge se remit à chanter juste. Capeirou ou Amessipi poursuivit sa route et s'arrêta dans un poulailler. Là, il pensa trouver son déjeuner. Une noix l'interpella. Bonjour, je suis l'oie. Pourrais-tu me donner ton cou, s'il te plaît? Bien sûr que oui, je peux te donner mon cou. Merci. Mais de rien. En remerciement, elle lui offrit des vers de terre qu'il s'empressa d'avaler. Tout en se baladant pour digérer, il tomba bec à bec avec un pélican perdu sans bec. Tout le monde se moquait de lui, alors il supplia.
Bonjour, je suis le pélican. Pourrais-tu me donner ton bec, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Bonjour, je suis le capéhirou ou amécipi. Et oui, je vais te donner mon bec. Oh, merci beaucoup! Mais de rien, pélican. Content de retrouver son fameux bec, le pélican remercia capéhirou ou amécipi en lui indiquant l'endroit où se trouvait le ruisseau, afin qu'il puisse y trouver à manger. Arrivé sous le pont de l'école, un canard colvert fit son apparition. Bonjour, je suis Capéhirou ou Amécipi. Pourrais-tu me donner ta tête, s'il te plaît? Évidemment, je peux te donner ma tête, canard colvert. Merci, Capéhirou. Mais de rien, voyons. Ne lui restant que les yeux, Capéhirou ou Amécipi décida de rentrer chez lui dans le clocher de l'église où il allait pouvoir se reposer. Fatigué mais fier de lui, il allait pouvoir repenser à tout ce qu'il avait fait de bien. Le plus important, c'est qu'il avait donné du bonheur aux autres.